C'est parti. Fait que, salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum, édition quarantaine aujourd'hui. Skype dans les prochaines semaines. Fait que, aujourd'hui, on reçoit Julien Geoffrion, qui était là, qui est déjà venu une couple de fois sur le podcast. On va parler d'entraînement, nutrition, de qu'est-ce qui se passe présentement avec le confinement, les gyms fermés, tout ça. Fait que j'aimerais ça qu'on parle premièrement de l'entraînement, tu sais, quoi nos options, puis qu'est-ce que tu en penses du training pendant ce Ouais. temps-là? Ben, tu sais, premièrement, je pense que faut. Puis j'ai fait un post sur Facebook là-dessus, là, puis je pense que la plupart du monde est d'accord, mais faut arrêter de penser juste à son petit nombril, première chose, puis de capoter à cause que les gyms sont fermés. Clairement, il y a eu beaucoup d'évolution depuis l'annonce des gyms fermés, là. Puis je pense que le monde réalise un petit peu plus aujourd'hui que quand ça a été annoncé dimanche que les gyms allaient fermer. Mais c'est correct que les gyms soient fermés. Ça, c'est la première chose. T'sais, vous êtes bien mieux d'avoir 2 semaines, 3 semaines de gym fermé que finalement qu'il laisse ouvert pour l'instant, puis que dans 2 mois, vous ne puissiez plus vous entraîner pendant 6 mois. Ça, c'est la première chose, selon moi. Ensuite de ça, je pense que t'sais, faut être capable de voir, OK, c'est quoi mes objectifs. Pour la plupart des gens, je pense que c'est totalement possible de continuer à travailler vers ses objectifs, que ce soit directement ou indirectement, en améliorant d'autres sphères de ses aptitudes physiques, si on veut. Tu sais, quelqu'un qui veut perdre du poids, on s'entend, perte de poids, perte de gras en tant que tel, ça passe par l'alimentation à la base. Fait que, au niveau alimentation, il n'y a absolument rien qui fait que vous ne devriez pas être capable de suivre votre plan alimentaire ou. T'sais, que vous ayez un coach ou non, je veux dire une alimentation qui vous permet de progresser vers votre objectif. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est important quand on parle de perte de gras, l'autre chose, ben, c'est d'augmenter sa dépense énergétique. Fait que, t'sais, c'est sûr que c'est plus intéressant si tu as accès à un gym puis que tu peux travailler sur ta progression en termes de force et tout, mais à la base, je veux dire, si tu as 50 livres over, ben, c'est pas la meilleure des choses, mais tu peux faire juste cardio, puis alimentation, puis tu vas en perdre du gras. Est-ce que tu vas avoir une aussi bonne composition corporelle que si tu faisais alimentation, musculation? Pas nécessairement, mais tu vas quand même progresser vers ton objectif, juste moins rapidement. Je te dirais que la clientèle pour qui ça va être un petit peu plus difficile, c'est du monde qui veulent prendre de la masse, puis qui en ont déjà gagné beaucoup auparavant. Tu sais, quelqu'un qui commence, je veux dire, tu peux faire n'importe quel exercice de résistance, puis tu vas avoir une stimulation suffisante, là aussi, au niveau musculaire, selon moi. Quelqu'un qui est plus avancé, moi, je le verrais comme une façon de travailler sur ses faiblesses. Regardez, ben, tu sais, est-ce que j'essaye de faire des exercices avec des bandes de résistance, puis des choses comme ça, peut-être, oui, mais prends du temps pour travailler ta flexibilité, ta mobilité, toutes ces affaires-là, tu sais, de tous les exercices que généralement les gars qui ont plus de masse musculaire, moi inclus, on va skipper. Tu sais, les petites affaires, tu sais, tous les rotateurs, toutes ces choses-là, ben, de prendre du temps là-dessus. Puis ensuite de ça, je veux dire, aussi niaiseux que, en ce moment, je pense que c'est sur Binge, ils offrent des cours de yoga gratuits. Ben, tu es en prise de masse, prends un mois pour faire du yoga, c'est pas grave. Tu vas tellement bénéficier ensuite de ça dans ton amplitude de mouvement, tu vas avoir moins de blessures, toutes ces choses-là, que. Sur le court terme, si tu regardes au mois de mai, ben peut-être que ta shape ne va pas être aussi haute que si les gyms n'avaient pas été fermés en ce moment. Mais dans 6 mois, 8 mois, 9 mois, ben, ces petites choses-là que tu vas avoir faites en ce moment vont peut-être être plus bénéfiques que d'essayer de te patenter un genre de training à la maison. Ceci étant dit, je pense que ça peut être une bonne idée de combiner les deux. C'est de ne pas faire exclusivement un ou exclusivement l'autre. Mais tu sais, si je prends l'exemple de. Mettons, je vais prendre mes clients, là, clairement. Tu sais, j'ai fait pour tout le monde un programme à la maison qui est sur une journée. Moi, personnellement, tu sais, ce que je trouve qui serait le plus intéressant pour la plupart du monde, c'est de le faire 3 fois semaine. Pas besoin de le faire 5 fois semaine. Puis les 2 autres jours semaine ou les 3 autres jours semaine que tu as du temps, mais de travailler sur toutes ces autres choses-là, justement. Tu te dis, OK, ben 2 jours semaine, je vais faire 30 minutes d'étirement. Puis je vais me prendre un cours de yoga, méditation, tai chi, whatever, quelque chose d'autre plus tard dans ta journée. T'sais, moi, personnellement,
C'est comme ça que je le vois à la base. Ensuite, c'est sûr qu'on peut tout le temps rentrer dans des choses beaucoup plus spécifiques de chaque personne. Mais à la base, c'est comme ça que je le vois. T'sais, toi, je sais pas comment tu vois ça personnellement. C'est un peu ça, puis à la base, tu en as parlé un peu sur Instagram, là, deux semaines d'avril, ça va peut-être faire du bien à pas mal de monde, tu sais, fait que faut pas que tu te sentes comme, genre, que tu vas tout perdre tes gains en deux semaines, tu sais. Ceci dit, justement, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'entraîne pour le fun, puis parce qu'ils aiment ça, puis parce que ça leur fait du bien, tu sais. Fait que justement, de faire des workouts avec des bandes élastiques, whatever, j'en ai sorti un en ligne, puis je vais en mettre un en ligne aussi demain matin, vidéo, j'ai fait un giant set pour les épaules, tu sais, juste aller chercher une pompe, tu sais. Je pense que ça peut être bénéfique, puis il y a un de mes clients qui a fait le workout que j'avais préparé, puis il était comme tabarnouche, j'étais raqué le lendemain, puis j'ai vraiment une bonne pompe. Fait, tu sais, il faut comprendre que pour gagner de la masse musculaire, tu as besoin de créer une tension au niveau musculaire. Puis, on va toujours s'adapter à un certain type de tension qu'on y met. Puis c'est pour ça qu'on veut varier les variables d'entraînement. Parce que si tu fais tout le temps la même affaire, tu t'habitues. Ton corps s'adapte. Fait d'amener, tu sais, souvent, l'entraînement en musculation, ça va être beaucoup d'excentrique qui va être accentué, un peu moins concentrique. Tandis que quand tu travailles des bandes élastiques, tu as beaucoup de concentrique d'accentué. Fait que ça se peut que ce soit complètement un autre stimuli pour ton muscle, puis ça se peut que tu gagnes la masse musculaire dans le prochain mois en t'entraînant qu'avec des élastiques. Puis aussi, ben, on sait que le concentrique est moins demandant au niveau neural, ça crée moins de dommages musculaires, puis tu es capable de faire plus de fréquences. Et tu vas peut-être être capable de faire, mettons, tes biceps sont en arrière sur le reste de ton physique, ton point faible et tes biceps, tu peux en faire tous les jours avec des bandes élastiques, tu vas pas accumuler de dommages musculaires, puis tu vas être capable d'avoir un meilleur mind-muscle connection, puis peut-être gagner de la masse à travers ça, tu sais, fait faut pas sous-évaluer les outils qu'on a à notre disposition. Oui, c'est sûr que, tu sais, j'ai des machines Prime à mon gym, les machines de Row Prime, c'est idéal à 100% à développer ton dos, tu sais, mais est-ce que tu peux développer ton dos en t'achetant une barre que tu vas mettre après un quart de porte puis faire des pull-ups? Ben, clairement que oui, tu sais. Puis je pense que ça n'a pas besoin d'être des gros investissements que tu avais mis les 8 litres d'eau que tu peux t'acheter. Ouais. Tu sais, c'est aussi niaiseux que ça. Ou genre, remplir ton sac à dos de livres que tu as chez vous. Ou, tu sais, comme il y a tout le temps, tu peux faire des squats avec tes chiens dans les bras. Tu sais, il y a tout le temps de quoi tu peux te débrouiller. Pour stimuler une certaine réponse. Puis comme tu dis, tu sais, la majorité du monde en prise de masse, leur point faible, ça va être la mobilité, l'entraîner justement les petits muscles, puis la santé cardiovasculaire. Fait que, tu sais, profite-en pour aller prendre une marche dehors, aller. Puis aussi, ben, on peut rentrer dans tout ce qui est environnement hormonal, la gestion du stress. On sait que quand ton cortisol est haut, ben ça va brûler ta masse musculaire, si on peut dire. Ouais. Fait que tu sais, de faire les activités, tout à l'heure tu parlais de yoga, de méditation, de mettre ça dans ta routine. Tu sais, moi je garantis au monde que si tu maintiens un entraînement qui va stimuler tes muscles, rien de fou, que tu mets en place de la méditation, puis tu optimises ta récupération, tu suis ton plan alimentaire, je suis pas mal sûr que tout le monde va gagner de la masse dans le prochain mois. Ouais, totalement. Puis tu sais, je pense que avec ce que tu dis, c'est un moment idéal pour mettre en place une genre de structure dans les journées. Tu sais, pour le monde qui n'en a pas en ce moment, c'est sûr que c'est facile de se dire « Ah, j'ai rien à faire, j'ai toute la journée, puis je me lèverai quand ça me tente, puis je me coucherai quand ça me tente. Puis... » Mais de se garder une certaine structure, justement, tu sais, on parle de méditation, de yoga, de muscu, de cardio, ben de te les setter dans ta journée aussi, de te dire, exemple, OK, ben d'habitude, ma routine du matin est à chier, je me lève sous le rush pour aller travailler, tout le kit. Là, c'est le temps d'essayer de t'en mettre une structure. Puis, je pense que pour certaines personnes, ça va peut-être leur faire voir les bénéfices d'avoir une structure comme ça. Puis ensuite, c'est quelque chose qui va plus se garder parce que ça va avoir eu le temps d'être rentré dans la routine de certaines personnes. Puis, tu sais, pour revenir avec... T'sais, tu parlais justement des élastiques, les galons d'eau, ces choses-là. Je sais pas si tu as déjà vu les vidéos là, du gars qui fait les ceintures cardio, là. T'sais, il s'entraîne. Non, il y a son genre de gym chez eux qui est genre sur un quai. Puis c'est genre avec des cubes de glace ou des gros galons d'eau qui se vident en même temps. Fait que t'sais, il fait des curls, puis ça se vide. Fait que c'est comme s'il faisait un genre de drop set à l'infini, là, le gars. Mais c'est un peu de là que j'ai eu l'idée, sans faire des trous dans mes bouteilles d'eau que j'ai achetées. Mais de l'eau
À cause, puis t'en avais un peu, t'as fait une vidéo qui montrait sur ça un peu avec les kettlebells puis des affaires comme ça, que en fait, c'était une question Facebook, je pense, Instagram, que t'avais mis sur la variation là, de ta charge selon ta vitesse de ton mouvement, puis pourquoi utiliser tes bandes élastiques, puis tout. Mais avec les bouteilles d'eau, ce que je me suis rendu compte, c'est les 2 litres, tu ne le remarqueras pas, là, mais mettons un 4 litres ou un 8 litres, un 8 litres qui est normalement 17 livres et demi, là, ben c'est vraiment plus lourd au feeling qu'un dumbbell de 17 livres et demi. T'sais. Fait que j'essayais de curler ça là, avec les 8 litres, puis je suis zéro capable de garder mon épaule complètement en place. Là. Tout veut bouger. Fait que c'est justement, ça prend juste une tension musculaire créée par quelque chose. T'sais, ça n'a pas besoin d'être un dumbbell. Puis je veux dire, il y avait du monde qui était musclé là, dans les années 50, puis il y a du monde qui sont musclés en Afrique, puis ils n'ont pas des beaux gyms. Là. Fait que, t'sais, clairement, quelqu'un qui veut va pouvoir. C'est juste arrêter de se trouver des excuses, je pense. Ouais. C'est juste de créer des solutions parce que, tu sais, même ça me fait penser, je sais pas si tu connais ISOFIT, là, c'est un gars qui a développé une genre de machine, mais c'est que des contractions isométriques contre une barre. C'est dans le fond, sa machine, c'est juste une barre de métal, puis là, tu OK. curls tes mains contre la barre, tu fais juste faire des contractions isométriques. Puis il y a plein d'études là-dessus sur genre l'isométrie. Fait que tu sais, tu peux juste faire ça, puis serrer plus Ouais. fort que tu peux vers l'intérieur, puis tu peux avoir élicité une synthèse de protéines neuromusculaires. Fait que tu sais, comme faut juste être créatif puis Ouais. vouloir au bout du compte. Ouais, puis tu sais, je pense qu'il faut juste accepter de ne pas être dans sa zone de confort. Tu sais, c'est aussi niaiseux que ça. Tu sais, l'entraînement à la base, c'est supposé d'être le fait de ne pas être confortable qui fait qu'on progresse. Mais le monde aime ça être confortable dans leur inconfort. Tu sais. Puis là, ben, c'est complètement différent. Tu sais, il faut que tout le monde apprenne à s'adapter, mais il faut accepter que justement, tu vas peut-être faire quelque chose que tu t'attendais pas à faire. Tu sais. Puis encore là, tu sais, je veux dire, il y a tellement, tellement d'options, là. Tu sais, en ce moment, je veux dire, on est en quarantaine, mais tu peux quand même te mettre des gants, faire attention, puis aller dans un parc, puis faire tous les genres de petits ateliers ou quoi que ce soit. Tu sais, quelqu'un qui veut faire ça, personnellement, je le ferais pas, là, parce que justement, tu sais pas s'il y a quelqu'un qui a touché les barres avant ou quoi, mais tu sais, tu t'amènes une petite lingette Lysol, du Purel, puis tu sais, il y a moyen de faire tellement de choses, là. Je veux dire, sors ton char, puis pousse-le, là, je veux dire, Ouais, c'est ça. tu peux tout faire, là. Exact. Puis ça, je pense qu'entraînement, c'est vraiment de, tu sais, de stick sur un plan aussi, puis de continuer comme si tu allais au gym, mais tu sais juste ça dans ton horaire, tu manges ton pré-workout, tu fais ton intra-workout, tu fais toutes tes mêmes affaires, tu structures, tu sais, c'est ça la base, puis c'est de recréer une structure parce que tu sais. Sans structure, l'humain est chaos, là, t'sais. Fait Ouais. que c'est vraiment important de prendre action dès maintenant, là, t'sais, à structurer ses affaires. Ouais, exactement. Puis, tu sais, ensuite, on verra si ça dure plus longtemps, tu sais, mais en ce moment, je veux dire, tout le monde est capable de se créer des nouveaux stimuli. Tu sais, si ça dure comme ça dans un mois et demi, ben peut-être que l'élastique, tu sais, on va être plus adapté, mais encore là, tu sais, je veux dire, personnellement, j'ai toujours cru beaucoup à la progression de force, mais si tu enlèves cette variable-là, ben, tu as plein d'autres choses. T'sais. Je veux dire, faire plus de reps, diminuer tes temps de repos, t'sais, tu peux jouer avec tout, 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 tout. Je veux dire, commence aujourd'hui, fais le plus de push-ups que tu veux, que tu peux, fais ça 4 fois semaine, ben, check dans un mois, tu en fais combien, puis garantis que ton chest va pas avoir le même look. T'sais. Fait que c'est aussi niaiseux que ça. Puis, ouais, vas-y. Mais parlant des push-ups, là, tu sais, j'en ai fait avant-hier puis j'étais encore raqué. Tu sais, Ah, comme quand ça fait longtemps que t'en as pas fait, c'est ultra stimulant faire c'est des push-ups, là, tu sais. Fait qu'il faut pas oublier la base. Non, exactement. Tu sais, je veux dire, c'est pas toutes les prisons qui ont des gyms, là. Tu sais, mais tu sais, c'est souvent cliché, là, de dire, ah, les entraînements de prison, puis tout ça, là. Mais il y a des gars qui sortent d'en dedans en shape, là. Tu sais, comme, pourquoi? Parce que, comme tu disais, ils sont dans un environnement qui n'a pas de stress. Bon, nous, ce qu'on est en train de vous dire, c'est pas, il n'y a pas de stress, vous êtes en quarantaine, c'est faites des choses qui vont vous aider à contrôler votre stress ou à le diminuer, mais ça revient au même. Ils ont une alimentation qui est structurée. C'est de la merde, leur alimentation, mais ils mangent tout le temps à la même heure quand même. Ils se lèvent à la même heure, tout le kit. Puis ensuite de ça, ben, la seule chose qu'ils ont à faire dans leur cellule, c'est des push-ups, des dips puis des pull-ups. T'sais? Fait qu'ils sortent de là, puis sont plus forts au plan shape. Ou à la limite, je veux dire, c'est juste des choses qui vont venir être bénéfiques plus tard, là. Ouais, c'est ça.
T'sais, tu parlais t'sais, nutrition, qu'il faut garder une structure, ces choses-là. T'sais. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui me demandait ah, faut-tu que je baisse mes calories, t'sais, je vais bouger moins, tout le kit. T'sais, je pense pas que pour une semaine, vous avez besoin de toucher à votre alimentation ou quoi que ce soit. Puis moi, personnellement, je pense que c'est beaucoup plus intéressant juste d'essayer de rien toucher au niveau alimentation, puis d'ajuster après aux besoins. Quelqu'un qui est en perte de gras, clairement, tu veux avoir un déficit énergétique. C'est ça, on s'entend, je veux dire, c'est ta base. Fait que, clairement, si la personne ne travaille plus puis qu'elle bouge moins, ben oui, on va baisser ses calories, mais tu sais, je veux dire, je pourrais très bien dire à personne, ben, tu n'as absolument rien d'autre à faire que de bouger dans ta journée, tu sais. Ça, c'est exactement ça. Je veux dire, bouge dans ton condo, bouge chez toi, tu peux bouger n'importe où, tu sais. Dans l'autre cas, quelqu'un qui veut gagner de la masse musculaire, c'est la dernière chose à faire, selon moi, ben, c'est les calories. Parce que justement, si tu t'entraînes pas ou moins, ou que tu as l'impression que tu n'as pas la même stimulation musculaire, ben, si tu te mets à enlever des calories, première chose que ton corps va flusher, c'est tes muscles. T'sais, il ne va pas vouloir préserver de la masse musculaire que tu ne lui donnes pas de raison de préserver si tu y enlèves des calories. Fait que moi, personnellement, mon optique pour le monde en prise de masse, ça serait quasiment, tu sais, mange le plus que tu peux, là. Je veux dire, à la limite, ta composition corporelle va peut-être être un petit peu moins bonne, mais tu vas t'assurer de garder ta masse musculaire. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais pour moi, je le vois exactement comme quand quelqu'un finit un cycle. Tu sais, puis on va en parler, ça, parce qu'il y a plein de monde qui a, ça a l'air d'inquiéter bien gros, qu'est-ce que je fais avec mon cycle en ce moment, là. Mais c'est la même chose. Tu finis un cycle, c'est pas le temps de baisser tes calories, tu vas perdre ta masse musculaire. Tu finis un cycle, garde tes calories pareilles, puis oui, tu vas quand même perdre un petit peu de masse, je veux dire, c'est inévitable, mais tu vas en perdre beaucoup, beaucoup moins parce que tu t'enlèves un stimuli, tu sais. Fait que c'est la même chose, là, je veux dire, il n'y a rien qui fait que tu es obligé d'enlever ta bouffe, il n'y a rien qui fait que tu es obligé d'enlever tout ce qui est niveau hormonal, la seule chose que tu perds, c'est l'entraînement. Fait que les deux autres, garde-les pareil, tu veux jamais enlever deux choses en même temps, selon moi. Tu sais, c'est t'en enlèves un, puis le reste, essaye d'équilibrer avec, là. Parce que si tu diminues ton stress d'entraînement, tu baisses tes calories, puis tu drops tes produits, tu arrêtes tout, tu sais, dans 2 semaines, tu vas tout perdre ta Ouais. shape, tu sais, c'est vraiment pas Puis tu vas pleurer garanti. aussi. Ouais, c'est ça, exact. Puis tu sais, moi, j'aime mieux me préparer au pire que je me dis que moi, avec la compagnie, j'ai un planning dans. Si ça dure 6 mois, puis 1 an, là, je suis en train d'établir C'est un plan pour bon, ça parce que c'est important, je pense, que tout le monde fasse ça, autant au niveau de ton entraînement que ta job, tout, parce que ça se peut que ça arrive, tu sais. Puis on souhaite pas ça. Tu sais, j'aime bien la phrase, c'est prépare-toi pour le pire, mais espère le mieux, tu sais. Focus sur le mieux, mais tu sais, il y a plein de fois qu'on peut pas contrôler. Je pense, dans ton entraînement, c'est la même chose de juste d'accepter que ça se peut que tu sois 6 mois chez vous à t'entraîner, puis de juste avoir du fun à le faire aussi, de te mettre une ouais. structure, comme tu as dit, tu sais. Fait que c'est juste d'accepter un peu qu'est-ce qui se passe, qu'on n'a pas le contrôle là-dessus, puis que ça se peut qu'on soit un bon bout. Fait que, tu sais, je pense que si t'hésitais à investir un petit peu d'argent dans des dumbbells ou des trucs de même, ça va être peut-être le temps dans les prochaines semaines, mais qu'on voit les Ouais. affaires. Parce que si tu regardes, tu sais, en Italie, puis en Europe, ils ont commencé avec 2 semaines, puis ils ont rajouté 2 semaines, puis ils ont rajouté 2 semaines, Ouais. puis. La Chine, c'est la même chose. J'écoutais un podcast tantôt, c'est un Américain qui est en Chine, puis il disait justement, à toutes les 2 semaines, il augmentait de 2 semaines, Ajoute. puis Mais c'est ça a parce fait que 4 mois. T'sais. ouais, puis tu sais, d'après moi, ils savaient déjà en partant que ça allait être plus que 2 semaines. C'est juste que tu peux pas dire ah, et 2 mois en partant parce que la population va virer complètement folle. Tu sais, je veux dire, ils ont fermé les gyms, puis le monde sont allés acheter tous les papiers de toilette qu'ils pouvaient, là. Fait qu'imagine s'ils disaient 2 mois. C'est ça. J'ai tourné un podcast tantôt avec Alex Buss, puis lui, étudiant en santé publique, il a fait des. Je ne sais plus son, ses études qu'il a fait là-dedans. Mais tu sais, il disait comme c'est 100% normal parce que c'est dans les protocoles que Ouais. c'est 2 semaines à la fois. Parce qu'il dit, si tu dis comme tout ferme pendant 1 an, genre, La ça va être mode la vienne purge, là, fou. ça va être. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça va être fou. Fait que, tu sais, comme graduellement, ils nous coupent des affaires, puis ils nous mettent, genre, tu sais, ça va aller continuellement, tu sais. Mais bref, on sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais je pense qu'il faut juste accepter ça, puis s'attendre à ce qu'il puisse en venir. Ouais, totalement. Puis tu sais, honnêtement, tu sais, justement, tu parles de te faire un plan avec la compagnie et toutes ces choses-là. Tu sais, tu veux l'avoir, ce plan-là, de prêt. Tu sais, je veux dire, anyway, en ce moment, tu perds, t'en as du temps à perdre, là. Fait que, tu sais,
te le fais ton plan, puis si tu t'en sers pas, ben tant mieux, tu sais. Puis si tu en as besoin, ben tant mieux aussi parce que tu vas l'avoir ton plan, tu sais. Fait que en entraînement, je pense, comme tu dis, c'est la même chose. C'est de se trouver des défis aussi, tu sais, pas juste de dire je m'entraîne pour m'entraîner, tu sais. Tu veux te rendre ça le fun, mais qu'est-ce qui rend le fun un entraînement? À moyen terme, je te dirais, c'est de voir une progression. Puis ta progression, dans l'optique où on resterait pogné de même un an, mettons, ben la progression visuelle serait probablement moins là. Fait que, tu sais, de se donner des objectifs de performance après, ça peut devenir quelque chose de beaucoup, beaucoup plus intéressant. Puis honnêtement, je pense que, tu sais, si on est pogné chez nous pendant un an, là, le look de la shape, le monde va s'en foutre un petit peu plus, là, de toute façon. Ouais, c'est de mettre ça en perspective aussi, là, tu sais, comme... Oui, tu sais, la shape, tu sais, on s'entend que la majorité du monde s'entraîne pour se sentir bien. Ouais. Fait que, tu sais, de t'entraîner, ça te fait sentir bien. Oui, d'être en shape, ça te fait sentir bien, mais tu sais, faut revenir à l'essence que tu t'entraînes pour le fun. Normalement, tu es supposé t'entraîner parce que t'aimes ça, comment ouais. ça te fait sentir, tu sais. Puis l'effet secondaire, c'est que t'es en shape. Si tu fais toutes tes affaires, même si tu t'entraînes chez vous, tu peux être... Tu sais, moi, j'ai des clients là, qui s'entraînent tout le temps chez eux à l'année, là, ouais. qui sont vraiment en shape, tu sais. Fait ouais. que, comme ça peut s'atteindre, mais tu sais, faut prendre, mettre ça en perspective, tu sais. J'ai plein de monde qui m'ont écrit comme... ouais, mais là, on peut pas venir faire un petit workout à ton gym. Ouais, mais, man, comme... Ouais. Tu sais, tout est fermé partout, là, ouais, tu sais, comme... Ça. Tu vas pas perdre ta shape, là, tu sais, puis c'est pas grave si l'économie au complet tombe, là, tu sais, comme... c'est ça. Ta shape, ça sera pas le premier de tes soucis, là, tu sais, fait qu'il faut juste mettre ça en perspective que, comme... Ouais, si, tout va si mal, là, tu sais. Tu sais, même que si l'économie au complet tombe, t'es mieux de peser 160 livres que 230, de toute façon, ouais, parce que ça coûte moins cher à nourrir. c'est ça, exact. Côté produit, vas-y. Tu sais, ben, juste pour faire une petite parenthèse, c'est sûr, t'as eu plein de monde... qui t'ont demandé, tu sais, ah, ton gym, je peux-tu venir juste une fois ou de temps en temps ou trois fois semaine, tu sais. Faut que le monde comprenne que tu peux pas dire, ben, tu peux pas dire oui à personne à la base parce que si tu dis oui à une personne, après ça devient deux, après ça devient quatre, puis ouais, ça devient exactement ça. Comme ton virus, tu sais. C'est, tu sais, premièrement, pourquoi lui, ça serait oui, puis lui, ça serait non, tu sais. Je veux dire. Où est-ce que tu coupes, Exactement. Tu sais, lui, c'est pas assez mon ami ou c'est pas assez un client que je vois souvent, tu sais, comme, tu peux pas faire ça. Tu sais, fait que, tu sais, le monde, ça revient à ce qu'on a dit au début, c'est qu'il faut que le monde pense un petit peu plus que juste à eux. Tu sais, on n'est plus à un point où c'est comme si ça avait été juste les gyms qui sont fermés puis que tout le reste continue. Ça, c'est ce que j'aurais trouvé quand même relativement stupide, honnêtement, là. Même si j'aurais quand même compris le pourquoi, parce que le monde, il se mélange, là, ils ont l'air de penser que c'est pour pas que tout le monde crève, là. C'est juste pour diminuer la courbe, pour pas que tout le monde se ramasse dans les hôpitaux en même temps. Ouais. Ils s'en foutent là, que 30% de la population, le punk, s'est étalé sur 2 ans. Là. Ils veulent juste pas que ça soit tout en même temps. Fait que, tu sais, non, je veux dire, c'est normal que tu donnes pas accès à ton gym. Puis, tu sais, même pire, imagine tu donnes accès à ton gym, puis là, finalement, à certaines personnes, puis là, finalement, tu sais, je veux dire, ça peut être ton ami, là, je veux dire, qu'il l'a puis qu'il le sait pas parce que ça passe ses 10 à 14 jours. Finalement, là, la période d'incubation sans symptômes. Puis là, ben, cette personne-là vient. Puis là, ben, crime, elle touche une poignée en sortant. Puis la personne qui vient après, elle touche la même poignée. Puis là, ben, cette personne-là, là. Puis cette personne-là, elle le sait pas. Puis cette personne-là a un grand-parent. Puis là, finalement, tu sais. Ouais, puis tu verrais-tu que, genre, la personne, elle crève à cause qu'il nous s'entraînait. Tu sais, ça va jusque-là. C'est ça, faut penser. T'es comme, fuck, c'est pas comme. C'est pas genre, tu sais, il y a du monde qui sont comme, ah, c'est comme une grippe, ouais, mais le monde qui l'ont eu puis qui s'est revenu, là, ils ont comme, c'est fucking hell, là, cette grippe-là, tu veux pas avoir ça, tu sais. Ouais, tu sais, il y a pas personne qui l'a eu qui dit que c'est comme une grippe, tu sais, c'est tout le monde qui l'a pas. C'est ça. Fait que, les produits, toi, t'as-tu... Ouais, c'est ça, les super suppléments. Ouais. Tu sais, moi, je pense que, tu sais, dans l'inévitable, ben là... Dans le pire des cas que ça va être plus longtemps, je pense que là, il va falloir faire un taper down sur les affaires parce que, tu sais, je pense que ça donne rien d'être au fond quand tu n'as pas ton stimulé d'entraînement optimal, tu sais. Mais je pense pour les deux prochaines semaines, tu devrais pas, comme tu disais tout à l'heure, enlever une affaire à la fois puis pas être trop drastique dans tes affaires, tu sais. Je sais pas toi, c'était quoi ton approche, tu as vu que ça. Mais c'est un peu la même chose, tu sais. Moi, je te dirais, ça dépend beaucoup de ça fait combien de temps que tu as commencé ton cycle ou ton blast, là, peu importe. Puis, c'est quoi les produits que tu prends? Tu sais, je te dirais que clairement, tout ce qui est produits oraux,
j'aurais tendance à dire aux personnes, arrête ça, au moins le temps, tu peux se retourner au gym. Tu as plus d'effets négatifs qu'avec tout ce qui est injectable à la base. Là. Fait que, mettons, quelqu'un qui prend du Dianabol, du Trinabol, peu importe, je dirais, tu sais, ça, tu peux l'enlever quasiment. Là. Ensuite, pour tout le monde qui sont dans des cycles en ce moment, je dirais continuer. T'sais, pour tout le reste, justement, parce que si ça dure 2 semaines, 3 semaines, je veux dire, ça va te faire maintenir ce que ton cycle t'a permis d'acquérir, premièrement. Parce que, tu sais, on le sait, là, plus ça fait longtemps que tu as ta masse musculaire, plus c'est facile à retenir. Tu sais, en ce moment, je veux dire, pas que je m'en fous, mais tu sais, même si je m'entraîne pas puis que je mangerais 3 repas par jour, je vais rester à 2,25, 2,30 quand même, parce que ça fait longtemps que je l'ai, ce muscle-là. Fait que, clairement, ce qui est nouveau, par exemple, ben, tu veux faire le plus possible pour le garder le plus longtemps possible. Fait que, de tout enlever, fait pas de sens pour moi. Quelqu'un qui vient de commencer, mettons, ou que ça fait une semaine ou quelque chose comme ça, ben là, j'aurais plus tendance à lui dire, tu sais, soit fais juste une dose de test qui est raisonnable, tu sais, un 350-400, tu sais, rien de trop, mais juste pour avoir un petit plus de d'habitude, parce que justement, tu veux que ton petit plus de d'habitude vienne patcher un peu ton stress d'entraînement que tu viens de, tu sais, je dis enlever, mais c'est que tu viens de le changer, là, en bout de ligne. Mm-hmm. Mais tu sais, je la verrais plus comme ça. T'sais, pour l'instant, pour vrai, je ne dirais pas à personne de rien enlever. Là. Ça, c'est sûr à 100%, sauf ce qui est oral, justement. Puis après, ben, pour certaines personnes, ça peut être une bonne occasion, là, si ça dure plus longtemps, justement, de faire un petit clean-up de leur système aussi. Là, parce que y en a que ça roule depuis longtemps, 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 longtemps. Puis l'autre chose, ce que je dirais, là, je ne suis pas en train de dire à personne d'aller faire comme avec les rouleaux de papier de toilette, mais c'est de planifier ses affaires aussi dans le sens que vous ne savez pas là, s'il va y avoir un manque de produits ou quoi que ce soit. Là, je veux dire, 3/4 des affaires viennent probablement de la Chine, même s'il y a des affaires qui viennent d'ailleurs, t'sais. Mais même ailleurs. Je veux dire, c'est pas, les matières premières ne viennent pas des États-Unis ni du Canada. Là, fait que, mettons qu'il y a une rupture de stock, ben, tu ne veux pas être pogné avec. Tabarnak, je suis rendu tout déréglé, tu sais, hormonalement, puis je peux rien faire pour régler ça non plus. Fait que, tu sais, pas d'aller dans le même extrême qu'on parle pour les business puis ces choses-là, mais tu sais, tu veux avoir un plan quand même pour, OK, ben, je suis seté pour un mois, pour si telle option arrive, je suis correct, si telle option arrive, je suis correct. Mm-hmm. Tu sais, je pense que c'est très propre au Canada puis beaucoup aux Québécois, là, de vivre au jour le jour avec leur argent puis avec un petit peu tout, là. Là, je pense que ça peut être un bon moment de planifier ces choses-là un petit peu plus, je te dirais. Je pense que c'est un excellent moment peu importe, il faut que tu vois ça comme une opportunité parce que là, tu as plus de temps. Tu sais, ouais. Autant au côté, justement, tantôt, c'était un podcast plus côté business que... Comme il y a plein d'opportunités présentement là, que tu peux faire plein d'affaires pour que ça aille mieux dans le futur. Fait que, tu sais, Grant Cardone il dit tout le temps « Never waste a good recession ». Tu sais, comme profites-en des opportunités que tu as à travers ça. Ben, tu sais, dans les récessions, on le voit, là, je veux dire, c'est rare le monde qui s'enrichisse bien gros pendant la récession, mais dès que ça repart, il y en a qui profitent extrêmement beaucoup de ça, là. Puis, je veux dire, c'est ceux qui vont de l'avant, qui pensent un petit peu, ben, beaucoup outside the box, puis qui restent pas pris dans leur structure, tu sais. Puis, tu sais, on en a parlé un petit peu avant le podcast, justement, puis, tu sais, je pense que t'en as pas parlé dans ton podcast d'avant, fait qu'on peut le faire, là. Mais, tu sais, justement, niveau business, tu sais, les entraîneurs qui font des entraînements privés, des affaires comme ça, je veux dire, pong ton client, mets-toi sur FaceTime, arrange quelque chose, puis... Tu peux motiver la personne, puis être avec la personne de la maison, puis faire des entraînements privés quand même, tu sais. Tu vas pas être face à face, mais crime, ça va être quand même quelque chose de structuré. Ça permet à tes clients d'avoir leur rendez-vous à telle heure, puis de continuer à faire rouler ça. Puis justement, si c'est un service que toi t'offres, mais que 10 autres personal trainers offrent pas, ben, peut-être que ces clients-là, des autres personal trainers, vont faire « ben tabarnouche ». Moi, j'ai le goût de prendre des sessions avec cette personne-là en ce moment parce que hey, ça roule. Puis, je veux dire, tu peux baisser tes coûts, là. Je veux dire, t'as pas de loyer à payer, t'as pas de gym, t'as pas rien. Fait que tu peux même faire des séances moins chères. Tu peux faire ça en groupe de trop. Tu sais, c'était ça en ce moment, en groupe de 4-5 personnes d'un coup. C'est facile, là. Je veux dire, 5 personnes qui ont absolument rien chez eux à part
des dumbbells, ben, tu peux faire tout en même temps. Puis, tu sais, fait qu'il y a plein de choses à faire et plein d'opportunités, justement. Tu sais, faut pas que le monde le voit. Ben, en fait, on s'entend, là, c'est pas rien de positif, là. Tu sais, c'est quelque chose de négatif. C'est pas ça qu'on est en train de dire, mais même dans le négatif, il y a toujours du positif à aller chercher à quelque part, tu sais. 100%. Faut juste prendre responsabilité de ce qui nous arrive, prendre responsabilité de nos choix, puis de voir de créer les opportunités un peu Ouais. pas les voir, de vraiment les créer. Là. Puis juste un point, je vais ramener sur les produits. Il y a l'aspect psychologique aussi. Tu sais, si tu lâches tout one shot, déjà la majorité du monde sont plus stressés qu'à la normale Ouais. présentement avec tout ce qui arrive. Tu sais, comme je prévois que dans les 3 prochains mois, si jamais ça se règle pas, il va y avoir des cas de dépression beaucoup plus grands. T'sais. Fait que si tu lâches tes produits one shot, c'est sûr que tu es plus enclin à moins bien gérer ton stress puis aux dépressions. Fait que tu sais, comme ça prend en considération aussi que si tu es en tape down, tu es peut-être plus down tranquillement que d'habitude. Là, t'sais, là. Ouais, totalement. Puis, tu sais, c'est un petit peu pour ça, tu sais, que je dis, tu sais, un 350-400 de testostérone. C'est parce que, tu sais, normalement, une dose de remplacement, ça va être plus du entre 100 puis 175, mettons. Mais justement, tu sais, un des symptômes, si on veut, de trop de testostérone, ben, c'est un feeling de bien-être. Tu sais, je veux dire, c'est très stimulant, puis à plein de niveaux. Fait juste à cause de ça, ben ça peut être un bon moment justement d'en prendre un petit peu plus que juste la dose de base pour justement, ben, je me sens bien, j'ai de l'énergie, tu sais, je veux dire, il y a plein d'aspects négatifs, de positifs, excuse-moi, à plus de testostérone. Tu sais, on parlait, tu sais, de voir les opportunités à travers ça. C'est juste une chose que j'ai vue, c'est une compagnie américaine. Tu sais, il faut avoir des. En fait, il faut prendre les opportunités, mais il ne faut pas crosser le monde non plus. Tu sais, dans le sens que j'ai vu des compagnies qui se mettent à vendre des suppléments en disant que ça va empêcher d'avoir le coronavirus, tu sais, des affaires dans la même. Puis là, ben, tu profites de la peur des gens, puis ça, je trouve ça tellement dégueulasse. Tu sais, fait que, je veux dire, il faut prendre des opportunités qui vont, selon. Ben, pas selon moi, là, qui vont aider le monde à mieux se sentir. C'est pas, t'sais, une opportunité, c'est pas être profiteur. C'est plus de même que je le vois. T'sais, parce que il y a du monde là, dans la société qui s'enrichissent en étant profiteur. Là, mais t'sais, je pense pas que c'est la job d'aucun entraîneur de profiter du malheur des autres. Là. Ben, c'est pas la job à Non, personne. c'est ça. C'est ça pour ça. Donc, en résumé, là, l'entraînement, on fait du mieux qu'on peut, puis c'est pas 2 semaines qui va scraper nos résultats. Il y a plein d'options qu'on peut faire, puis on peut, tu sais, même à travers tout ça, sûrement progresser. Puis comme tu disais, c'était bon ça de se fixer des objectifs, que ce soit genre ton maximum de push-up, ton maximum de squat bodyweight, de voir une progression au niveau des performances, ça serait intéressant à voir. Au niveau de l'alimentation, pas trop changer d'affaires présentement, puis d'ajuster au fur et à mesure comment que ça va avec ton coach. Puis supplémentation encore là, pas trop changer d'affaires, puis je pense qu'avec ça, le monde va pouvoir survivre. Ouais, puis, tu sais, si je vais me prendre un exemple, tu sais, j'étais allé en Grèce au mois de juin. C'était 15 jours, puis, tu sais, je veux dire, j'ai rien amené, tu sais, aucun supplément, aucun autre produit. Tu sais, je suivais pas une diète non plus, tu sais, fait que je mangeais 3 ou 4 fois par jour, puis je m'entraînais pas pantoute, puis, je veux dire, je suis revenu, tu sais, j'étais pas moins en shape ou quoi que ce soit, là, tu sais, puis c'était un 15 jours à ne pas rien faire par rapport à l'entraînement. Fait que, tu sais, quelqu'un qui fait même un minimum va être capable quand même, dans le pire des cas, de se maintenir, puis dans le meilleur des cas, de progresser, là. Fait que, c'est ça. Excellent. Fait que c'est où que les gens peuvent te suivre pour tes judicieux conseils? Sur Instagram, c'est A commercial Ju, comme Julien. Fait que Ju Geoffrion, Geoff. C'est là la meilleure place. Puis chaque mardi, je fais un question-réponse. Là, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui le suivent. Si vous me posez une question conne, ben, vous allez avoir une réponse conne aussi, par exemple. Mais tu sais, j'essaye autant que possible de rendre ça instructif, mais en même temps, garder un petit peu d'humour dans la chose, là. Fait que C'est ce que Instagram, tu fais très bien.
Ce que je fais très bien, merci. Fait que, ouais, Instagram, pas mal la meilleure place. Puis, tu sais, pour, t'sais, même pour du monde qui sont pas des coachs, là, mais tu sais, juste du monde qui s'entraîne chez eux, outre le fait de mettre une vidéo de 4-5 exercices à faire à la maison, là, que clairement aujourd'hui, il doit avoir eu 100 vidéos par 10 minutes de ça, tu sais, de faire un genre de. T'sais, on parlait de se mettre des défis à soi-même là, avec les push-ups, ces choses-là, mais c'est facile de créer un genre de, pas un happening, mais t'sais, un défi de groupe là, de hey, moi j'ai fait tel nombre de push-ups, moi j'ai fait tel nombre de dips, puis des affaires même, un peu comme ils font dans le CrossFit. T'sais, dans le CrossFit, tu arrives, puis tu vois le workout de telle semaine, ben, tu as les scores de tout le monde, tout le monde, tout le monde. T'sais, c'est facile là, de faire quelque chose comme ça, puis de le faire de la maison, puis là, ben, crime, je me filme, puis au lieu de faire des niaiseries là, d'Ice Bucket Challenge, là, comme on voyait il y a 4-5 ans, ben, c'est ça. Je veux dire, si le monde est capable de rendre viral, sans faire de jeu de mots, quelque chose de même, ben, le monde est capable de faire des choses virales avec des affaires beaucoup plus positives aussi. Bien dit, bien dit. Alright, fait que merci Jules pour ton intervention ce soir. Puis, merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner à sa chaîne YouTube aussi si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la prochaine. Salut.